baptisez-moi pas. Pour les troubler. Yes, tu vas voir. Cela la libère maintenant. Toute la sorcellerie. Fais dans sa famille. In his family. Pour la faire enlever. Dans la puissance de Dieu. La libère maintenant. Attache. Touche. Touche. Allez, touche. Touche. Parce que la Bible dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Because the Bible says it's better the end of something. Mais toi, c'est pour que tu ne rates pas ton éternité aussi. Stand up so you will not miss your eternity in heaven. Aujourd'hui, tu sors avec ton éternité au ciel ici. Today you go out with your eternity here. Apocalypse 19, le verset 7 à 9. Revelation 19, 7 to 9. Faisons la lecture à haute voix, nous tous utilisons le micro. Réjouissons-nous et soyons la grâce du Seigneur. Praise the Lord.
Revelation 9. Le verset 7 à 9. Verse 7 to 9. C'est ça qui était le thème de ce Hadassa Night. This was the key for Hadassa Night. Nous sommes en train de clore maintenant. L'Éternel est Dieu. The Lord, Eternal God. Nous dit dans cette parole. He tells us in this word. Le jour de grand jubilé arrive. The day of the great jubilee is coming. Le jour de grand jubilé arrive. Augmentez le micro, s'il vous plaît. The day of le jour de grand jubilé arrive. The day of the great jubilee is coming. Oh, il y aura une grande fête. There will be a great. Pourquoi? Feast. Why? Parce que l'épouse. Because the bride. S'est préparée. Has prepared herself. Parce que l'épouse. The bride. Elle a porté. She has worn. Des vêtements blancs. The garments. En lin. In fine linen. Pur éclatant. Clean and shining. La Bible nous dit. The Bible says. Ces vêtements blancs. This clean and shining. Ce sont les œuvres de Christ. Are the good deeds of God's people. Ce sont les œuvres de Christ. Yesterday. Notre Dieu nous a donné des grands secrets. The man of God gave us great secrets. Il nous a parlé de ce qui rend les vêtements sales. He talked to us about those things that dirty our garments. C'était un message puissant. It was a mighty message. Un message puissant. It was a mighty message. Qu'est-ce qui rend nos vêtements sales? What is that destroy our garments? Qu'est-ce qui peut rendre la crucifixion de Messie nulle? What can purify the deed of the cross? Qu'est-ce qui peut faire que le diable se moque encore de notre Seigneur Jésus-Christ? What is that they can make the devil to mock Jesus Christ? C'est lorsque nous avons des vêtements sales. It's when we have garments that are dirty. Si l'épouse n'est pas prête. If the bride is not ready. Si Jesus Christ came. Et il trouve que ta robe est tachetée de marque de pardon. He finds your garment is touched by lack of mercy. Mais quelqu'un qui t'avait violé. By somebody who raped you. Et tu n'as pas pardonné. And you didn't forgive them. Un homme qui t'avait abandonné. A man who abandoned you. Et tu n'as pas pardonné. And you didn't forgive them. Tes parents t'avaient abandonné. Your parents had abandoned you. Et tu ne les as pas pardonné. And you didn't forgive them. Tu as des vêtements qui sont. You have garments that are dirty. Tu as des vêtements qui sont sales. You have garments that are dirty. Ce jour-là, that day, on dit que ce soit le jour. Instead of being a great day of jubilee, ça doit être le jour où le diable va rigoler. It will be the day where the devil will laugh at you. Mais pour que le diable ne rigole pas, but for the devil not to laugh at you, pour que le diable ne se moque pas de la mort et de la résurrection de Messie, for the devil not to mock the death and the rising of Jesus Christ. Voici pourquoi nous mettons les 30 000 Romains plus pour que nous soyons préparés au grand jour de jubilé. This is why we put 30,000 plus so that we can be prepared for the great jubilee. Je suis en train d'éclaircir la vision d'Adassa. I'm making this message very clear. La vision d'Adassa. The vision of Adassa. Ce n'est pas des miracles. It's not miracles. Ce n'est pas des prospérités. It's not the ce n'est pas des bénédictions. It's not blessings and the best blessings. Mais la vision d'Adassa. But the vision of Adassa. C'est se préparer pour ce grand jour de grand jubilé. This requires that we work. Ça nous demande de travailler notre salut. It's this requires that we work on our salvation. Tu as reçu le Seigneur Jésus Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu as très bien fait. You receive Jesus Christ as your Lord and Savior. You have done some good work. Tu ne peux pas croiser les bras. You cannot cross your hands. Tu dis que j'attends l'enlèvement. Say that you are waiting for the rapture. No. No. Maintenant il faut travailler le salut. Now you have to work. C'est là où nous
nous allons voir la famille de Noé. This is how we are going to see the family of Noah. Nous allons dans Genèse chapitre Genèse chapitre 6. We're going in Genesis chapter 6. Le verset 5 à 11. Ouvre ta Bible rapidement. Open your Bible very quick. Genèse chapitre 6, le verset 5 à 11. Genesis 6 from 5 to 11. Faisons la lecture à haute voix. Let's read it aloud. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel a dit, j'espère que la face de la terre, l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je ne réponds de les avoir fait. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et parfait dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était la terre était pleine de violence. C'était la parole du Seigneur. Merci beaucoup. Maintenant, vous pouvez vous asseoir. Thank you very much. You can sit down. Que l'Éternel Dieu vous bénisse pour l'obéissance. Ce sont des hommes et des femmes disciplinés qui vont entrer au ciel. It's the men and women who are disciplined going to enter. Les gens qui ne sont pas disciplinés par rapport à la parole de Dieu et dans leur vie personnelle vont rater le paradis. People who are not disciplined and in their spiritual life and in their work, physical life, they are not going to enter heaven. La famille de Noé. The family of Noah. La famille de Noé. The family of Noah. La Bible nous dit. The Bible tells us. La terre était remplie de violence. The earth was filled with violence. La terre était remplie de violence. The earth was filled with evil. Oh. Oh. Quand la Bible parle de la violence. When the Bible speaks of evil. Ce qui s'est passé en Libye. What is happening in Libya? Ça nous donne la vraie image de cette violence. Give us this image of real evil. Comment qu'on prend une femme qui est enceinte? How they take a woman who is pregnant? Des femmes enceintes. The women who are pregnant. On commence à les fouetter par des fils en fer. They beat them with iron. Et les femmes là commencent à saigner. And these women start to bleed. Et puis on prend les machettes, on les tue avec. And on detect the matches. Et puis on abandonne leur cadavre dans le désert. And they leave their body in the desert. Quelle violence! How evil! Quelle violence! How evil! C'est horrible! It's horrible! L'Éternel a vu ça! The Lord has seen this. Mais dans cette époque, by that time, où il y avait plein de violence, where there was so much evil, l'Éternel Dieu va regarder sur la terre. The Lord will see on earth. Il va trouver un seul homme. He will only find one righteous man. Je veux que tu me regardes dans les yeux. Look at me in the eyes. Quand tu notes, puis tu me regardes dans les yeux. Look at me in the eyes. Regarde les 5 continents. Look at the 5 continents. L'Asie. L'Asie. L'Océanie. The Oceania. L'Amérique. America. Quand on parle de l'Amérique, c'est toute l'Amérique et le When Canada. When we speak of America, we speak of North and South America. L'Afrique. Africa. L'Occident. The Occident. Sur les 5 continents. In the 5 continents. Je trouve un seul homme. God will find only one righteous man. Il s'appelait Noé. Whose name was Noah. La Bible. The Bible says Noé était un homme intègre. That Noah was a righteous man. Un homme intègre. He was a man with integrity. Un homme qui ne s'est pas mélangé. A woman who did not mix himself. Un homme qui craignait Dieu. A man who feared God. Dans quelle époque? In that time. À l'époque où tout le monde s'embourbait dans le péché. In a time where everybody was just mixing it with sin. C'est pourquoi moi je dis. That's why I say, si toutes les femmes de la terre mettaient les faux cheveux, if all the women on the earth just put fake hair, si toutes les femmes de la terre portaient les pantalons, if all the women on the earth were just putting si toutes les femmes de la terre teintaient leurs cheveux, if all the women on earth had fake hair, si toutes les femmes de la terre portaient des bijoux, all the women on earth put jewelry. Mais moi, comme j'ai des preuves dans la parole de Dieu, because I have a
Noé. I will stay as Noah. Parce que c'est Dieu qui m'a dit ça. Because God is the one who told me. Et so. C'est noir sur blanc dans la parole de Dieu. And it's white on black on the Bible. Praise the Lord. Praise the Lord. Alors dans cette conférence. Now in this conference. L'Éternel et Dieu cherchent Noé. The Lord is looking for Noah. L'Éternel et Dieu cherchent Noé. The Lord is looking for one Noah. Toute la famille, tous les quartiers, ils cherchaient la femme. Lui, il ne disait pas.
Every person, everybody was searching for the woman. He did not say anything. Finalement, on a forcé. Finally, they forced. La police est venue. The police came. Ils ont trouvé les cadavres commencé déjà à se décomposer sur leur lit conjugal. They found the corpse already the matrimonial bed. On a mis les cracas. They have put les gens sont malhonnêtes. Ils se cachent maintenant derrière Dieu. People are so evil, dishonest. Il dit, oh les choses de l'esprit, personne ne peut pas les comprendre. J'espérais que ma femme allait ressusciter. He said that all the things of the spirit are nobody understand him. I had hoped that my quand vous voyez ces choses, when you see those things, Matthew 24, la fin de toutes choses est arrivée. The end of everything is here. Je dis à Noé, Lord said to Noah, je vais détruire toute la terre. I want to destroy the entire earth. Dieu s'est repenti même d'avoir créé l'homme. Lord even repent to have created man. Je dis, je vais détruire toute la terre. I want to destroy the entire world. Je vais éliminer cette génération. I want to destroy everything. Je vais éliminer cette génération. I want to wipe out this entire generation. Mais toi, no way. By you, Noah. By you, Noah. Construis l'arche. Build the earth. Dans cette arche-là, in that earth, tu vas faire entrer tout animal. You enter every animal, mâle et femelle. Male and female. Nous lisons là, le troisième passage, c'est Genèse chapitre 7. We are going to read Genesis 7. Genèse chapitre 7. Genesis 7. Je demande au groupe de louanges, vous pouvez rester assis dans la salle. C'est moi le groupe de louanges, mettez-vous debout. Nous allons faire la lecture avec le groupe de louanges à haute voix. We're going to read aloud with the choir. Genèse chapitre 7 à partir de verset 1 jusqu'à la fin. Genesis 7 from 1 until the end. Faisons la lecture ensemble. Let's read together. L'Éternel est dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, tu feras juste le grand parmi cette génération. Tu feras auprès de toi sept couples de tous les animaux purs, une femme de sa femelle, une femme des animaux qui ne sont pas purs, une femme de sa femelle, sept couples aussi de sa femelle, une femme de sa femelle, afin de conserver la en vie sur la face de tous. Car encore sept jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et je terminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné, les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre. Il entra dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, comme Dieu avait ordonné à Noé. Sept jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 6 ans de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, à ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les églises de Dieu s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour, fils de Noé, la femme de Noé et les trois femmes de ses fils avec eux. Tous les animaux selon les espèces, tous les détails selon les espèces, et tous les reptiles qui rentrent sur la terre selon les espèces, tous les oiseaux selon les espèces, tous les petits oiseaux, tout ce qui est des terres. Ils les entrèrent dans l'arche auprès de Noé, de sa mère, et tout le chat ayant souffle de vie, il en entra en main. Tout est cher comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fit 40 jours sur la terre. Les eaux purent et soulevaient l'arche. Et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre et l'arche flotta sur la face des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout périt, tant les
oiseaux, que les bétails et les animaux, tous ceux qui rampaient sur la terre et tous les hommes, tous ceux qui avaient respiration, souffle de vie dans ses narines et qui étaient sur la terre sèche, mourus. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent extrémités, exterminés depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. C'était la parole du Seigneur. Amen. Merci groupe de louange, vous pouvez vous mettre. Thank you, the choir. Note bien ce verset. Note this verse. Quand tu arrives à la maison, tu lis tout le chapitre 6 de Genèse. When you come home, read the entire tu lis tout le chapitre 7. All the chapter 7. La Bible dit. The Bible says. Quand moi j'écris, toi aussi tu cries. Tu me regardes sur le visage. La Bible dit. The Bible says. L'Éternel Dieu a dit à Noé. The Lord said to Noah. Tu vas construire l'arche. You're going to build the ark. Et dans cette arche. In that ark. Tu vas faire entrer. You will put. Mâle et femelle. Male and female. Chaque animal. Every animal. Animal. Mâle et animal femelle. An animal that is a female and an animal that comme is a male. Comme ça on va conserver ces animaux. So in that way we will keep. These animals. La parole de Dieu a beaucoup de leçons. The Bible has so many lessons. L'Éternel Dieu n'aime pas qu'on puisse perdre. The Bible, the God does not want us to lose them. L'Éternel n'aime pas qu'on puisse que ce qu'il a créé soit détruit. The Lord does not want what He created to be destroyed. Regarde comment il a sauvé non seulement la famille de Noé, même les animaux. Look how He did not just save the family of Noah, but also the animal. Bien aimé. My beloved, je vous donne un devoir. I give you a homework. Va chercher, go and search. L'âge que Noé avait, the boat that Noah had. La Bible dit quand les déluges ont commencé, Noé avait 600 ans. When the rain came, he had 600 years. Mais quand Dieu lui parlait, but when the God had talked to him, le temps qu'il a pris pour construire l'âge. The time that he took to build the boat. Va faire des recherches. Go and make a research. Si tu trouves, tu m'écris. When you find it, write to me. Nous devons être les amis de la Bible. We have to be friends of the Bible. Bien aimé, ce n'est pas en un jour. It was not by one day. La construction de l'arche. The building of the boat. Je passe au troisième point, la construction de l'arche. The building of the ark. Le troisième point, la construction de l'arche. The third point. Ce n'était pas en une semaine. It was not in one week. Chaque jour. It was every day. Noah s'est réveillé. Noah woke up. Avec le message que Dieu lui a donné. With the message that God had given him. Que la fin de toutes choses est arrivée. That the end of everything has come. Et chaque jour. And every day. Noah travaillait ce message. Noah worked on this message. Maintenant toute sa vie. Now it's. Entire life. Tournez tout le message que Dieu lui avait donné. Around, this message that God had given him. Regardez. Look. Il s'est réveillé chaque matin. He woke up every night, every morning. Parce qu'il avait maintenant, il avait la vision que Dieu lui a donnée. He had the vision that God gave him. Il savait maintenant ce qu'il doit faire. He knew what he was to do. C'est de construire l'arche. It was to build the boat. Chaque matin, Noé. Every morning, Noé. Avec le marteau. Avec with the hammer. Pa, pa. Pa, pa. Et les habitants passaient. And the people who are living in the place, they were passing. Parce que Noah passait le message à tout le monde. Because Noah brought the message to everybody. La Bible dit, on s'est moqué de Noah. The Bible said that they were laughing at him. Vous savez comment ils disaient? You know how they were saying? Ils regardaient Noé. Oh, look at Noah. Is somebody with some illness in the head? Il y a vraiment du fou sur cette terre. There is some crazy people on this earth. Where does he come from? Does he really live here? Parce que Noé ne s'est pas mélangé. Because Noah did not mix himself. Cela veut dire que l'accoutrement de Noé était différent.
That means that even his dressing was different. Le raisonnement de Noé était différent. His way of thinking was different. Le langage de Noé était différent. His way of speaking was different. Pour que Dieu te trouve intègre. For God to find you righteous. Tu dois te retrouver dans la prédication de l'archibishop. You have to find yourself in the preaching of archbishop. De veiller sur ton caractère. To be watchful on your character. Veiller sur ton langage. To be watchful on your language. Oh, cette prédication m'a aidé. Well, this prédication helped me. Même quand je suis au travail. Even when I'm at work. Mes collègues de fac décollent pas mal. The people I work with they. De fois je veux parler. Sometimes I want to speak. J'entends la voix de l'archibishop. Veille sur ton langage. I hear the voice of archbishop. Be watchful on your the way you're speaking. Directement j'ai dit ah wa bila ma na wanyo zatashka apona yeye na tika. I see. Oh, my garments are going to be dirty just because of this. That's why love the word of God. The word of God is light on my path. Hear the word of God and put it to practice. Tu sauras comment parler à tes enfants. You will know how to speak to your children. Parce que tu vas veiller sur ton langage. Because you will be watchful on your language. Tu sauras comment parler à ton partenaire. You will know how to speak to your partner. Parce que tu vas veiller sur ton langage. You're going to be watchful on your language. Praise the Lord. Praise the Lord. Pour que Dieu te qualifie que tu es intègre dans cette génération pourrie. For God to notice that you are righteous in this generation. Comme l'archibishop a prêché. Like archbishop said. Comme nous l'avons lu dans la parole de Dieu. As we read it in the Bible. Tu dois veiller sur ton entourage. You have to be watchful about with your surrounding. Auprès de qui tu donnes ton oreille. To whom you give your ear. Donc toutes ces choses, ces caractéristiques étaient en Noé. All these characters were in Noah. Regarde-moi dans les yeux. Ne sois pas distrait. In the eyes. Tout le monde, regarde-moi dans les yeux. Je finis bientôt. I'm going to end soon. Bien-aimé. Below. Noé ne parlait pas comme eux. Noah did not speak as them. Il ne réfléchissait pas comme eux. He did not think like them. Alors, chaque matin, il était là. Pam, pam. Now, every morning, he was there. Pam. Chaque matin, every morning Noah was. Il fallait fixer les clous, hein? He was supposed to fix the pa, panel. Donc il dit pa 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 pa. Vous savez quand on construit un bateau? You know how when you are building a boat. Dans les quartiers là, vous n'aurez plus la paix. In that corner, you know you're gonna have peace. Surtout qu'il doit commencer avant que le soleil ne sorte. To start in the morning. Donc très tôt le matin, 4h30. Very early, 4:30. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Maintenant quand le soleil commence à sortir, when the sun comes, il fait un bel pause. He take a break. Pendant l'hiver, même à 20h il fait encore chaud. In winter. À 20h il fait encore chaud, c'est ce que je veux dire. Even at 20, and it's still very bad. Pa, 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 pa. Praise the Lord. His partner. Bien aimé. Beloved.
salvation. Adessa. Adessa. L'année 2018. This year 2018. C'est l'année de travailler son salut. It's a year to work on your salvation. L'année de travailler son salut. A year to work on your salvation. L'année de s'approcher encore de Dieu. A year to come closer to God. L'année de la construction de l'âme. It's a year to build your boat. Praise the Lord. Praise the Lord. Ces gens-là disaient. The people they say. Il est devenu paranoïaque ou quoi? Has he become paranoid or something? Vraiment, batama, boum, batana, mokelo. Really, people who are crazy on this earth. Monsieurna, à vous toi. That woman, where is that? Does she come from? Eh. En tout cas, vraiment. Oh, really? À où le mani? Bah, faut chercher une nouvelle vie. Thank you, I will bring you to hell. Alisa funa kwango bizani. Atuka papa patim suswe. How would you have? Where does she come from? La même chose on dit ça pour Noé. The same thing they said about Noah. La même chose on dit ça pour Noé. The same thing they said about Noah. Cette femme-là vient d'où? Where does the woman there come from? Quelle est la nourriture qu'on mange au Cameroun? C'est comme le foufou là, on appelle ça pas. Anche? Obi, Noah a mangé quoi? Ancheke? They said that this Noah eats ancheke. Le foufou. Praise the Lord. Praise the Lord. Pour la nourriture, vous êtes bien réveillés. For food, I'm really awake. People laughed at Noah. Il fallait que Noé fasse face à ça. It was beloved. It was real that Noah. Dans la construction de l'arche. In the building of the boat. La première chose importante. The first thing that is very important. Il faut s'attacher au message de Dieu. Is to attach yourself on the message of God. Et non au message des hommes. And not the message of human. Parce que l'homme ne peut pas comprendre ce que Dieu dans son cœur. Because man cannot understand what God has in his heart. Surtout si l'homme est dans le péché. Especially when the man is in sin. Surtout si l'homme est dans l'hypocrisie. Especially when man is in hypocrisy. C'est difficile qu'il puisse capter les choses de l'esprit. It's very difficult for the man to understand the thing of God. L'homme animal, les choses de l'esprit, c'est comme de la folie pour lui. And a man of animal, human, things of the spirit is like foolishness. Le Seigneur m'a parlé pendant les jeûnes et prières. The Lord spoke to me through the fasting and prayer. Comment le diable est en train de réclamer les pasteurs qui seront consacrés l'année prochaine? How the devil is reclaiming the person that we're going to be consecrated next year? Et Dieu m'a parlé qu'il y a des enfants qui étaient initiés dans la sorcellerie. And that there were children who were initiated in witchcraft. Et Dieu m'a donné des instructions. And God gave me instructions. Avant que tu n'entres dans la salle, before you enter in the hall, tu prieras pour ces pasteurs là à l'entrée là-bas. You will pray for those pastors in the entrance. Le premier jour et le deuxième jour. The first day and the second day. C'est pourquoi je vous avais dit. That's why I told you d'être là. To be there. Qu'est-ce qu'il réclame? What does he reclaim? La malédiction de leur famille. The malediction, the curse of their family. Je bénis le témoignage qu'on a écouté hier de Sylvie. I bless the testimony that we heard yesterday of Sylvie. Et Pierre-Marie. And Pierre-Marie. Comment elle révèle son père dans Adassa? How he revealed his father in Adassa? Comment son père venait la prendre? How his father came to take her. Tu vois que son combat ne venait pas des gens d'Adassa. Son combat venait de sa famille, les réclamations ancestrales parentales. You see that his fight did not come from Adassa. It came from the family, from family reclamation. Bien aimé, j'ai obéi à Dieu. Beloved, I obeyed to God. Je bénis le Seigneur pour ce couple qui est venu me parler au resto. I blessed God for that couple that came to speak to me in the restaurant. Le couple de pasteurs. The couple of the pastor. Elle tremblait. They were shaking. Elle dit, maman.
He said, Mother, nous, la famille est venue nous menacer, pas dans les rêves, mais physiquement à la maison. For us, the family did not come to fight us in our dream, but in our pool. In our dire, vous devez arrêter cette histoire de la consécration pour devenir des pasteurs. To tell us that you have to stop this message of repentance to become pastors. Vous voyez quand on obéit à Dieu? You see how when you obey to God. Si je n'avais pas obéi, if I did not obey, je dis, mais qu'est-ce que Dieu me demande encore? I would say, what is God asking me more? J'ai prié pour ces pasteurs là à l'entrée, ils seront là à genoux. That I prayed for to the pastor there in the entrance on their knees. Il y avait d'autres personnes, Papa Chris et Céline et tous ceux qui font les protocoles. Ils étaient là, mais pas eux. Je leur ai pas demandé d'aller à genoux. J'ai dit, seulement les pasteurs qui seront consacrés. There was other people the protocol, but I wanted only to pray for the pastors. Mais quand tu reçois le message de Dieu, ne le mélange pas avec les sentiments. Well, beloved, when you receive the message of God, don't mix it with feelings. Je suis très contente que j'ai obéi à Dieu et puis je suis venue écouter après. I'm so happy that I obeyed to God and now I listened, I heard the testimony after. Ce que Dieu nous demande, what God asks of us, nous devons le trouver dans la parole de Dieu. We are going to find it in the Bible. Praise the Lord. Praise the Lord. Des choses que Dieu te demande qui ne sont pas dans la parole de Dieu, fais attention. Peut-être ce sont les démons qui te parlent. The things that God asks you, but you don't find them in the Bible. Be careful, they might be think of the devil. Et puis, il faut faire attention aussi, même si tu trouves ça dans la parole de Dieu, le diable c'est un ange de lumière, il se déguise. Be careful, even when you find it in the Bible, the devil is an angel of light who is a deceiver. C'est pourquoi nous voulons que vous puissiez plus écouter la parole de Dieu, prier, jeûner, afin que vous puissiez avoir un discernement développé. That's why we want you to be in a, having a life of spiritual life, of prayer, fasting, so that you can have a discernment. Il faut être comme Noé, écouter ce que Dieu a dit et non écouter ce que le monde dit. You have to be like Noah, hear what God say, not what man say. Les gens qui aiment Dieu sont peu nombreux. The people who love God are very few. Les gens comme de Noé, tu peux te rendre compte dans toute la superficie de la terre, il n'y avait qu'un seul homme à terre. Can you imagine that? The people who are like Noah, they were just one person. Voici les jours de déluge. Look, the day of the avant même le déluge. Before the flood. Le point qui suit, la patience de Dieu. The point that follows is the patience. La patience de Dieu. Patience of God. Dieu attendait que tous les animaux entrent dans l'arche. God waited for all the animals to enter the boat. Beloved, the God that we pray is the mighty God. Quand il a créé tous ces animaux, il a dit que les oiseaux soient, les oiseaux fuient. Seulement parler et ça a été créé. When he created those animals, he just spoke word. He said, let the birds be, and they were there. Mais pour Noé, but for Noah, Dieu pouvait aussi dire seulement allez, tous les animaux dans l'arche. Les animaux allaient obéir, ils allaient entrer directement et puis ils allaient détruire le monde. He could just say all the animals in the boat and then the animal will obey and just destroy the earth. Mais Dieu a laissé la responsabilité à Noé. But God left the responsibility to Noah. Pourquoi? Why? Ça c'est dans le cadre de la patience de Dieu. This is the things the way of patience of God. Parce que Dieu laissait le temps à ces gens-là, peut-être ils pouvaient se repentir. God gave time for all the other people. Maybe they could have repented. Mais moi si j'étais Dieu, me if I was God, je vis sûrement ce qui s'est passé en Libye. I see only what is happening in Libya. J'allais descendre. I would have come down. Alors avec le feu. With fire. Et détruire tous les Libyens. To destroy all the Libyans. Les jeter directement en enfer. To throw them directly in hell. Parce que je dis, oh Seigneur. Oh, I said, oh Lord. Je voyais toujours dans les informations, oh les migrants, les bateaux là sur l'eau qui fait ça, qui fait ça. Oh, derrière les bateaux là. I only saw it in the news, the things of immigrants, but I didn't know that was something great behind all those boats. Non, Dieu est patient. God is patient. Dieu est patient. God is patient. Parce que avant que le monde soit informé, Dieu voyait ça déjà.
Well, before the world knew, God knew that, saw that before. Mais son temps. But God took his time. Bien-aimé. Beloved. Repentons-nous. Repent. N'abusons pas de la patience de Dieu. Let us take easily the word of the patience of God. Vous savez comment la torture marche? You know how the tortures Koba. The tortures. Ah, il fait sentir un peu ses bras, ses pieds dans sa boîte là. How he takes his pattes. Et puis il marche comme ça. How he walks very slowly. Et puis dès qu'il atteint un mouvement, il remet encore ses pattes dans sa boîte. And when he hears anything strange, he goes back in his. Vous savez, ça peut prendre combien de temps? Tout ça, Dieu attendait. All of this, God waited. La tortue entre. The tortures. Toi, cette tortue-là. Toi, cette tortue-là, t'as pour la malaise, dans la repentance. You interested that work very slowly in repentance. Tu ne veux pas que ta femme vienne à Adassa. You don't want that your wife come to Adassa. Tu laisses ton mari venir seul dans Adassa. You leave your husband to come alone. Tu es cette tortue-là. You are that tortures. Tu t'as pour la malaise. You walk very slowly. Yes, Ozozonga. Yes, Jesus is coming. Ah, Maria Colonini. Jésus revient. Jesus is coming. Ah bon, c'est depuis longtemps qu'il dit Jésus revient. It's too. It's for long time people say. C'est français maintenant. Bon Dieu, on entend. C'est pas quand. We hear that Jesus is coming, but it's been for long time. Ben, tu achètes-moi les vins là, les muscadors là. Jésus revient. Jesus is coming. Bien-aimé, bientôt. Loved. La patience de Dieu. The patience of God. Dieu regardait. Lord is God is watching. Les serpents entrent. The snake entered. Je me posais la question, comment tu pouvais faire entrer même les serpents dans la vache? I asked myself, how could God even let the snake to enter in the boat? Je n'aime pas cet animal là. On le regardait seulement comme ça. Oh. I don't like that animal, even I'm just looking at it. Mais Dieu il est différent de nous. But God is different from us. Si moi j'étais Dieu. If I was God. Comme c'est l'animal que le diable a utilisé. Since it's the animal that the devil used. C'était une bonne opportunité. Alléluia, Libanda. It was a good opportunity to leave it outside. J'allais mettre toi serpent dehors. I will put the serpent parce outside. Que je vais créer un nouveau monde. Because I want to create a new world. Mais Dieu est amour. But God is love. Dieu est amour. God is love. C'est pourquoi si tu vois un chrétien qui n'a pas d'amour, il n'est pas un enfant de Dieu. That's why if you see a Christian who does not have love, la not nature child of God. De Dieu c'est l'amour. God is love. Dieu aime même le serpent. He loved even the snake. Il l'a fait entrer dans l'arche. He made it enter the boat. Mais maintenant le jour est arrivé. But now the day came. Les enfants de Lot. Even the children of Lot. Et leurs femmes. And their wives. Et la femme de Lot. And the wife of Lot. Sont entrés dans l'arche. They enter in the boat. Bien aimé, la pluie n'est pas tombée tout de suite. Beloved, the rain did not start bien. Right away. Regarde le système de Dieu. Look on the system of God. Vous savez ce que les gens disaient? You see what the people were saying. Mais quel genre de personne, ce type, c'est un fou. What kind of people they are sick? Il va s'enfermer dans cette arche-là avec les animaux et sa femme et les enfants. They're going to lock themselves with those animals, the wife and the children. Avec l'odeur de cochon. Even with the smell of a pig. Avec l'odeur des oiseaux. Even in the smell of. Mais il a perdu sa tête ou quoi? He has lost his mind. Dieu. Lord, il peut permettre que tu deviennes vraiment ridicule. He can let that you be ridicule. Dans ton milieu. In your surrounding. Que tu puisses connaître des choses contraires à sa promesse. That you not think that otherwise than his promise. Mais que cela ne te trouble pas. May that not trouble you. C'est ce que j'ai dit à Papa Joseph qui a perdu sa maman. That's what I said to Papa Joseph that j'ai lui ai posé la question, mother. Maman avait quel âge? 80 ans. I asked how old was mom? 84. J'ai dit la mienne est partie tôt à 65 ans. Mine went from 65. Venez à la convention, venez dans la présence de Dieu. Come in the convention, this conference and come in the presence of God. Que ça soit dans les moments de deuil. Even it's in the time of comme la servante de Dieu, maman patiente habite à la tante, c'était dans
dans les parages, hein, l'âge. Oui. Like Aunt Tabitha, his aunt as well was in the, around that age. Tu peux vivre des tels moments. You can live in certain time. Le moment où c'est une opportunité pour que les voisins de Noé puissent se moquer de toi. The time where it's an opportunity for your surrounding to laugh at you. Mais cet homme. But this man. Il va s'enfermer dans son frère aussi est là-bas. His wife is also there. Et les oiseaux. Even the bird. Et les chats. And the dog. Et les chats. And the cat. Bien-aimé, c'est une folie. Beloved, this is craziness. Ils ont dit, mais ce n'est pas possible. They say, oh, this is impossible. Il continue dans sa bêtise. He continue in this craziness. Jusqu'à s'enfermer maintenant dans cette arche-là avec les animaux. Up to closing himself in the... In praise the Lord. Praise the Lord. Je veux que tu entres dans le parc de Noé. I want you to enter in the time of que Noé. Tu réalises combien Noé était ridicule. To you, for you to understand how ridicule Noah was. Et puis il s'enferme dans cette arche là. And then he closed himself in that boat. La pluie ne tombe pas tout de suite. The rain did not start just right away. Dieu prend encore 7 jours. God waited for 7 days. Mon mari se convertira. You are telling yourself which is the day that my husband will become a Christian. Toi prie seulement. You just pray only. Toi grandis d'abord. You grow up. Dieu est en train de faire son travail en secret. God is doing his work in secret. Alléluia. Alléluia. En entre temps, le Seigneur est en train de te tailler. Meanwhile, God is shaping you. Quand Sylvie a témoigné hier. When Sister Sylvie testified yesterday, j'ai dit à mon mari, mes chéris. I told to my husband. Mais c'est comme si c'est maintenant que je comprends la gravité de ce témoignage. It's like right now I just understand the gravity of this testimony. Vous voyez maintenant que les choses sont claires aussi dans sa vie. You see now things are now clear in his life. Elle a grandi maintenant dans la parole de Dieu. She have grown up in the word of God. Son langage n'est plus le langage de 3 ans passés. Her language is no longer the language of 3 years ago. Tu vois pourquoi le Seigneur permet que nous puissions des fois vivre des combats, tu es devenu ridicule comme Noé. You understand now how white God will sometimes allow that you become ridicule like Noah. Ça permet au vieil homme de tomber, ça permet à l'homme intérieur de grandir. It permits the old you to fall so that the new you will grow up. Le temps de Dieu est arrivé. The time of God is here. Ce que Dieu dit, c'est ce qui va arriver. What God says, what will happen? Ce jour-là est arrivé. That day have arrived. La Bible dit. The Bible says. Quand tout le monde était dans l'arche. When everybody was in the boat. Regarde-moi dans les yeux. Look at me in the eyes. Et les animaux et la famille de Noé étaient dans l'arche. Even Noah, the animal and the family of Noah was in the boat. He's the one who closed the door. Maintenant la clé est au ciel. Now the key is in heaven. En ce moment-là, la Bible dit que l'Éternel a libéré maintenant la pluie. At that time, the Bible said that the God. Tu vas aller prendre la clé où? You're going to take the key where? La clé est au ciel. The key is in heaven. La clé est dans les mains de Dieu. The key is in the hand of God. Father Noah, I was singing, Father Noah, open the door. Sous la pluie, on the rain, commençait à monter. The rain started to la pluie tombait.
The rain was falling. La pluie montait. The rain was coming up. Mazongolo, mazongolo. Now the keys in heaven. Là avec les mèches brésiliennes, j'ai pris ici. There with your Brazilian hair. When it's going to mesh, I'm going to come on. With your fake hair, your Brazilian hair. Maintenant, Noé aussi là-bas, il a dit, écoutez la foi de ses voisins. Certainement, il pleurait. Mais la clé au ciel. Now Noah was there. Because he chose you, but you chose to stay in distraction. Il va prendre une autre personne. He's going to take somebody else. Praise the Lord. Praise the Lord. Dieu peut utiliser n'importe qui et de n'importe quel âge. God can use whoever from whatever age. Francine qui est là dans Sandrine avec sa maman Nicole qui sont dans la salle, les Françaises de blanc et peau. Sandrine and his her mother who are there, the French people. Elle me dit, she told me, mais maman Mireille,
Maman Mireille. Moi, j'appelle l'autre mémé du quartier. J'appelle l'autre mémé qui est dans les quartiers avec ma mère. Donc, elles forment un groupe de femmes comme sa maman de 80, 83 ans. Et elles suivent la prière des 18 heures de bébé rite en ligne. I call the people who are very old to form a group of prayer. And they follow the prayer of Bébé Ruth. Parce qu'au début, là, il y avait un souci au niveau de la radio. Because in the beginning, there was a little problem. C'est ça qui l'a poussée à me dire ça. That's what they brought her to speak about this. Regarde, Bébé Ruth est courte ici. Look how Bébé Ruth is. Avec Irène est courte ici. And Irène courte. Maintenant, ce sont des femmes âgées. Now, these are women who are fighting. Qui suivent leur prière. Who follow their prayer. Vous voyez comment, si tu es dans la distraction, Dieu peut utiliser même les bébés. You see, if you are in distraction, God can use even the children. Et Dieu commence à les utiliser puissamment. And God will start using them mightily. Et je bénis ces bébés rites au nom de Jésus-Christ. I bless baby rites in the name of Jesus. Et je bénis Karen au nom de Jésus-Christ. And I bless Karen in the name of Jesus. Que le sang de Jésus-Christ le protège. May the blood of Jesus protect them. Et que le Saint-Esprit souffle encore en elle. And the Holy Spirit take control on them. Bien-aimé, beloved, laissez-moi terminer par ici. Let me finish by here. La famille de Noé. The family of Noah. Je vais couper ça. I want to cut this. En donnant quelques détails. By giving a few details. Que nous allons trouver dans 1 Timothée chapitre 3. We're going to find in 1 Timothy chapter 3. C'est le dernier passage et je nous demande de nous mettre debout pour faire la lecture. The last verse. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Ok. Tu notes 1 Timothée chapitre 3 pour lire à la maison. Note 1 Timothée chapitre 3. Et puis ici nous allons lire 1 Timothée chapitre 5. And we're going to read 1 Timothée 3, chapter 5. Oui, 1 Timothée chapitre 5, nous allons lire à partir de verset 1. We're going to read first. Tu fais la lecture ensemble avec moi. 1 Timothée 5. Ne réprimons pas rudement les vieillards, mais exhorte-les comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Pendant les veuves qui sont véritablement veuves, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Car cela est agréable à Dieu. Ce qui est véritablement veuve et qui est demeuré dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans le plaisir est morte quoi que vivante. Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas besoin des siens, et principalement de ceux de sa maison, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve pour être inscrite sur le rôle n'ait pas moins de 60 ans qu'elle ait été femme de seul mari. Qu'elle soit recommandable par des bonnes hommes ayant élevé les enfants, exercé l'hospitalité, laver les pieds des saints, secourir les malheureux, pratiquer toute espérance de bonnes œuvres. Mais refuse les jeunes veuves. Car lorsque la volupté les détache du Christ, elle veut se marier et se rendre coupable en ce qu'elle viole leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient de enfants, qu'elle dirige leur maison, qu'elle ne donne à l'adversaire aucune occasion de lui dire, car déjà quelques-uns se sont retournés pour suivre Satan. Si quelqu'un, si quelque fidèle homme ou femme a de veuve,
qui les assiste et qu'elle les mise dans son point chargé afin qu'elles puissent assister celles qui sont véritablement veuves et que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur sur tous ceux qui travaillent à la préparation et à l'enseignement. Car l'écriture dit, tu ne seras point le beurre quand il faut le grain. Mais l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçois point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la disposition de deux ou trois témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire en faveur. N'impose de rien à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Ne continue pas à boire de l'eau et fais visage d'un peu de vin à cause de ton esprit et de fréquentes indispositions. C'était la parole du Seigneur. Amen. On peut s'asseoir juste pour quelques temps. Qu'est-ce que nous allons travailler dans l'arche de Noé? What are we going to work on in the boat of Noah? Dans quel domaine nous devons maintenant beaucoup travailler? In which part are we going to work hard? Ici, nous voyons comment l'apôtre Paul est en train de donner les instructions à Timothée. Now we see how Apostle Paul was giving instruction to Timothy. Et cela nous servira aujourd'hui. And this will serve us today. Afin de bien travailler l'arche de Noé. So that we can work good on the boat of Noah. De connaître les disciplines familiales et les disciplines ecclésiastiques. To know the discipline in family and the spiritual one. Et les disciplines personnelles. And the personal discipline. Que je vais donner rapidement. I want to give very quickly. Premièrement. Firstly. L'église est une famille qui se soutient. The church is a family that help each other. Le respect envers toutes classes sociales dans l'église. Respect among the every different class, social class in the church. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. This is what the apostle Paul is saying. Ne réprimande pas rudement les vieillards. Don't speak rudely to the elders. Mais exhorte-les comme un père. But take them as your father. Exhorte les jeunes gens comme de frères. Take them as your brothers. Oh, nous avons besoin de ça au milieu de nous. We need that among us. Parce que nous avons des hommes âgés. We have older people. Nous avons des femmes âgées. We have older women. Et nous avons des jeunes gens. And we have younger. Quand nous disons que nous devons travailler notre salut. When we say we have to work on our salvation, c'est dans ce domaine aussi. It is in this way as well. Comment tu parles aux hommes âgés? How you speak to older people? Comment tu parles aux vieillards? How to speak to elders? Quand tu les reçois au protocole? When you receive them on the quand protocol? Quand tu leur donnes la place pour s'asseoir? When you give them a place to sit? Comment est ton attitude? How is your attitude? Comment tu parles avec tes parents? How you speak to your parents? Oh bien aimé. Nous devons construire l'arche. Oh, beloved, we have to build it. Nous devons travailler notre salut. We have to work on our salvation. Vous savez pourquoi ces femmes âgées-là me suivent? How do you know why these are the older women they follow me? La plupart d'entre elles, quand je parle avec elles, je les vouvoie. Je dis vous, maman Cécile, vous, maman Angélique, vous, maman Brigitte, vous. Most of them, when I speak to them, I see you. Elles sentent que j'ai beaucoup de respect pour elles. They know that I have a lot of respect for them. Tu peux avoir l'onction. You can have anointing. Mais si tu ne connais pas les secrets que l'apôtre Paul a donné à Timothée. But if you don't know the secret that Apostle Paul gave to Timothy. Tu te retrouveras seul dans la vie. You will find yourself alone in life. Et tu te retrouveras seul dans la salle de convention. And you find yourself alone in the hall of conference. Nous devons soigner notre langage. We have to treat our language. Nous devons soigner notre manière de communiquer entre nous. We have to take care of the way we communicate within us. Beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je passe. There's a lot of things to speak in this topic, but I'm gonna. Deuxièmement. Secondly. Prendre soin
de ceux qui sont véritablement veuves. Take care of those who are really widows. Qui sont véritablement veuves. Those who are really widows. Oh, j'aime l'apôtre Paul. I like Apostle Paul. He was not. Il n'était pas facile avec l'évangile. He was not easy with the gospel. Il dit celle qui était la femme était celle l'homme. The one who were widows. Comme ici en Europe. Like here in Europe. Bibala. We get marry. Tu divorces. You divorce. Ok, maintenant reste seul. Now you have to stay alone. Jusqu'à ce que l'autre va mourir. Until the other one would die. Mais les gens font des aventures. But people do adventures. Je ne parle pas de la vie sans connaître Dieu. I'm not talking about life without knowing God. Parce que ta vie que tu as menée sans connaître Dieu est partie dans le sang de Jésus Christ. Because the life that you brought without knowing Christ have gone in the blood of Jesus. Sois béni toi qui as dit amen là-bas. Be blessed you who say amen there. Je parle de la vie mais non dans la repentance. I speak of life in repentance. Maintenant tu connais la parole de la repentance. Now you know the word of repentance. Comment tu es en train de mener ta vie sexuelle? How are you bringing your sexual life? L'apôtre Paul dit. The apostle Paul says. Considère les veuves. About the widow. Celle qui était la femme d'une seule personne. The one who was a wife of just one man. Et pour la considérer vraiment comme une veuve. And for consider her just as a widow. Pour qu'elle soit seulement consacrée au chef de Dieu. For her to be consecrated to the thing of God. Il faut qu'elle puisse avoir au moins plus ou moins 60 ans et plus. It's important that she's beyond 60 years. La Bible est riche. Hein? The Bible is rich. L'apôtre Paul dit pourquoi? The apostle Paul said why? Parce que laissez-les se remarier. Because let them remarry. Les veuves là, les jeunes veuves. The youth, the younger widow. Ne les faites pas faire le vœu que oh comme belle la couvée. Don't make them make a vow since my husband died. I'm gonna see with you, God. Maladie, on va la sauter. I want to marry. It's finished. Ce sont des émotions. That are emotions. Des sentiments. Yes, emotions. Quand on va enterrer. When you're going to. C'est fini. To bury. Une année. After deux one ans, year, trois ans. Two years, 3 years. On a fait jusqu'à la télé nos collants. You see your windows get your a very tight paint. Maman pasteur veut voler du collant. Maman pasteur the widow have une femme de pasteur veuve en collant et les cheveux brésiliens, les mèches brésiliennes jusqu'ici. Tight paint with Brazilian hair all up to the back. C'est ça que l'apôtre Paul a dit. This is what Apostle Paul was talking about. Ne faites pas faire les vœux à de telles personnes qui sont encore jeunes. Don't make vow. Don't make. Parce que quand on pense à ça, ils vont mater. Because when think the time of the flesh will come, they will fall. Par contre, on va encadrer à Bala. Instead, you should lead her to remarry. Praise the Lord. Praise the Lord. Ah, laisse-moi partir vite. Il y a beaucoup de choses, mais je saute. Les jeunes gens. The youth, the young people. Que les jeunes gens se marient. May the young people remarry, get married. Et bien diriger leur maison. And know how to lead their house. Parce que si vous ne vous mariez pas. Because if you do not get married. Surtout ici en Europe ici. Especially here in Europe. Vous allez tomber dans les péchés sexuels. You're going to fall in sexual sin. C'est pourquoi nous vous encadrons. That's why we lead you, we guide you. C'est dans ce domaine-là qu'on doit travailler notre arche. This is in this way we can work on our boat. Praise the Lord. Praise the Lord. Donc ceux qui m'obalaient au bala moi, non, tika moi na bala. Parce que yo moko au bala été. Si un homme vient pour prendre ta fille en mariage, laisse ta fille se marier. If a man come to take your daughter to for marriage, let her get married because you will not get marry her. Double honneur à ceux qui travaillent. Give double honor for those who work. Surtout ceux qui travaillent dans la prédication. Especially those who work with the in the preaching. Un autre point. Another point. Que nous devons travailler dans la construction de l'arche. That we are supposed to work in the construction of the boat. Rigueur et discipline.
discipline and vigor. Rigueur et discipline. Vigor and discipline. C'est là où l'église tombe. That is where the church falls. Manque de rigueur. Lack of vigor. Nous devons être ferme. We have to be very firm. Discipliné. Discipline. Ici, ce n'est pas un supermarché. Here is not a supermarket. Le culte est à 9h. Nous tous, nous devons être dans la salle. The service starts at 9. At 9, everybody's supposed to be here in the hall. C'est à 9h que nous commençons le culte. It's at 9 that we start the service. Donc, ça suppose que avant 9h, nous devons être déjà dans la salle. That means before 9, we're supposed to be in the hall. Toujours dans le domaine de rigueur. Still in the area of. Si quelqu'un déconnecte ici. If somebody disconnected here. Et puis on vient nous donner le compte rendu. And somebody come to tell us. Une personne. Somebody. La Bible dit faut prendre le témoignage au moins de deux témoins. The Bible says you're supposed to have at least two témoins. Et puis investiguer. And then research. Vérifier si c'est vrai. Verify if it's true. Si c'est vrai. If it's true. L'apôtre Paul dit à Timothée, il faut réprimander cette personne devant l'église en public. You have to bring the person in front of the church in public. Comme ça, les autres auront peur de faire la même chose comme lui. So that the other will fear to do the same thing as he did. Écoutez-moi bien. Hear me well. On sort pas la queue d'âme de quelqu'un. We do not bring out the testimony of ça, somebody. Ça, il faut pas le faire. The confession of somebody. Si quelqu'un veut lui confesser ses péchés chez toi. If somebody comes to confess their sin to you. Ça, il faut pas le faire. You are not supposed to give it mais out. Mais quelqu'un qui met le désordre, qui calomnie, qui détruit l'œuvre de Dieu. But somebody who gossip. À cette personne, il faut la finir ici devant la chair. That somebody is, you have to bring him the person in front here. Vous devez comprendre et connaître le fondement de ce ministère. You need to understand the fundament of this ministry. L'apôtre Paul dit à Timothée, n'aimez pas les sentiments. Apostle Paul speak to Timothy, don't put emotion. N'aimez pas les sentiments. Don't put emotion. Nous allons nous mettre debout. We're going to stand up. Et je remets le micro à l'archibishop. And I give it to our. Thank you.
Oh, il est
TV, c'est le bouquet pour regarder Pactol TV. Dans la rubrique Religion au numéro 358, achetez les décodeurs Happy Box TV sur www.happyboxtv ou chez Pactol TV. Sans aucune configuration préalable, la Happy Box TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happy Box TV, c'est la télévision autrement. Pactol TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happy Box TV et Orao Telecom. 100€ pour l'achat du décodeur et 12€ seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Beansport et Pactol TV. Ne tardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happy Box TV pour regarder la télé autrement. Happy Box. Thank you.
now. Ebenezer Ministry vous recommande de prier sans cesse, car c'est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Pour apprendre à prier en ordre et longtemps, la bonne adresse, c'est chez Adassa, le cœur de Dieu. Adassa, le cœur de Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Nous avons des prières en ligne tous les jours. Les premiers cultes, c'est du lundi au samedi, de 4h30 à 6h du matin. Et les deuxièmes cultes, du lundi au vendredi, de 20h à 21h30. Les veillées de prières sont programmées chaque samedi, de 1h à 6h du matin. Les prières d'intercession, du lundi au vendredi, de 12h à 13h30 et de 16h à 17h30. Et les cultes du dimanche, c'est de 9h à 12h. Vous habitez en Allemagne, faites le 0049 221 98 20 34 15. Votre appel part de la Belgique, faites le 0032 42 44 10 75. Vous nous appelez depuis les États-Unis, faites le 001 209 255 1000. Vos appels partent de la France, faites les 0033 1 78 90 03 32. Depuis la Hollande, ce sera les 0031 635 205 040. Le code d'accès aux prières sera les 14 40 99 et 10 15 50. Pour l'incarnation, les 11 11 52. Et pour les cultes dominicales, les 14 40 99. Pour toute information, allez sur www.mireilleadassa.org. Et pour nous appeler pour de plus amples informations, faites-le 0031 6 26 88 31 01. Pour apprendre à prier en ordre et longtemps, la bonne adresse, c'est chez Adassa, le cœur de Dieu, avec l'archibishop Nathanaël Banza et le pasteur Mireille Chilumba Banza. Adassa Ministry, les cœurs de Dieu. Apprendre à prier en ordre et pour longtemps. Du nouveau dans la ville de Bandundu, les majestiques hôtels Bandundu. Situé dans les centres-villes de Bandundu, dans la province du Kwilu, en République démocratique du Congo, l'établissement Majestic Hôtel Bandundu propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres, luxueusement décorées dans un style élégant. Au Majestic Hôtel Bandundu, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, le Majestic Hôtel Bandundu est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestic Hôtel Bandundu sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement
pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandundu et les sites touristiques locaux. Le Majestic Hotel Bandundu est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Bana Bandundu, Baningville, Benkwen, Benukwen na Bwala Kutala Babuti, Toku Salama Kambu, Kisika Yakulala, Memonana. Pour vos réservations, faites les plus 243 852 902 232 ou les plus 243 828 872 275.